Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer ensuite sur la petite cloche qui permet de ne rater aucune nouvelle vidéo. La rétention d'eau est une accumulation excessive de liquide dans tout ou partie de l'organisme. Elle se caractérise par des gonflements, des ballonnements, des variations de poids ou encore de la cellulite. Il existe des solutions naturelles pour prévenir et éliminer ce souci. Premièrement, buvez de l'eau. Bien que cela paraisse paradoxal, c'est la meilleure solution pour lutter contre la rétention d'eau. Pourquoi? Car si votre niveau d'hydratation est insuffisant, votre organisme cherche à compenser le manque d'eau en retenant les liquides. Buvez au minimum 8 verres d'eau de 25 cl par jour. Choisissez des eaux minérales peu salées. Deuxièmement, réduisez votre consommation de sel. Le sodium retient en effet l'eau dans les tissus. Évitez les aliments en conserve ou les plats surgelés, limitez votre consommation de charcuterie et de fromage. Pour la cuisine, utilisez le sel avec parcimonie. Évitez les sauces industrielles. Elles ont souvent une très forte teneur en sel. Troisièmement, augmentez votre consommation de fibres et de protéines. Les aliments riches en fibres ont un impact bénéfique sur le système digestif et urinaire. Ils permettent de lutter contre la rétention en favorisant l'élimination des liquides. Consommez des fibres au petit-déjeuner, privilégiez les viandes blanches, les poissons et les légumes secs. Mangez des légumes crus ou cuits à la vapeur. Grignotez des fruits tels les myrtilles, les fraises, les framboises ou les mûres. Quatrième conseil, buvez du café ou du thé. Attention toutefois à le faire avec modération car ils peuvent entraîner à long terme une déshydratation. Ils sont diurétiques mais il ne faut pas en abuser. Vous pouvez également prendre des bains de vapeur. Cela permettra d'éliminer l'excès d'eau contenu dans votre organisme par une transpiration intense. Évitez les bains de vapeur prolongés, au risque, là encore, de vous déshydrater. On peut encore noter qu'il faut limiter la consommation d'alcool. Celle-ci tend en effet à favoriser la déshydratation et force l'organisme à augmenter la rétention de l'eau. Enfin, faites du sport. Cela favorise la transpiration et donc contribue à éliminer l'eau et les toxines. Augmenter la fréquence et l'intensité de vos séances de sport est donc excellent pour limiter la rétention d'eau. Évidemment, pensez à consulter auparavant un médecin afin de savoir si vous êtes apte à faire de l'exercice. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne afin de ne louper aucune nouvelle vidéo. Partagez avec vos proches et à bientôt pour d'autres conseils santé.